Coucou tout le monde, c'est Mario de la Porte du Paradis. On se retrouve pour aller à la FAQ des 500 abonnés, même si maintenant on en a 600. On sait qu'il y a eu beaucoup de retard, mais comme annoncé précédemment, ça devait sortir fin août, début septembre. Donc je pense que d'ici que ce soit posté, on va être dans les temps. Donc ça va, on a quand même eu pas mal de questions. Hein. On répondra en fonction, si c'est des questions pour nous quatre, des questions personnelles ou... En tout cas, on va commencer. Bon, ça commence avec une question, pour nous quatre. Quel âge avez-vous? Donc, moi, personnellement, j'ai 19 ans. Et, je laisse les autres répondre. Moi, j'ai 20 ans et en décembre, j'aurai 20 et... j'ai 19 ans et j'aurai 20 et mon âge. Alors, c'est une question qui ne se pose pas à une dame, hein? Non, je rigole. En vrai, j'ai 23 ans. Pardon? Oui, bien sûr, j'ai 44 ans et je m'appelle Roger. Je suis majeur, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Mystère. Et boule de gomme. Votre signe astrologique. Alors, je suis Sagittaire, le best. Moi, personnellement, je suis Gémeaux, the best, parce que c'est pas Sagittaire. Moi, je suis Taureau. Je suis Cancer, et c'est ce que je vous file quand je parle, lol. Vous êtes-vous rencontrés par hasard? Ça, en fait, c'est une question à laquelle on a déjà en partie répondu dans la vidéo des 1 an, il me semble. Oui. Ouais, mais on n'est pas allé en détail. Bon, revisionnez la vidéo d'un an. Et puis, s'il y a besoin de précision parce qu'il y a monsieur ou madame curieuse qui est comme moi, qui est curieux sur 1000, vous demandez aux commentaires. Par contre, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est comment moi je suis arrivée là vraiment. Vas-y, du coup, c'est une question pour toi. En fait, moi, je suis arrivée là par le biais de Cassas, parce qu'il faut savoir que Cassas et moi, on se connaît déjà depuis 3 ans, en effet. Ça va bientôt faire 3 ans ensemble. C'est vrai. Oh. Et on se connaît via l'amino Marmé Mélodie, que je vous invite à rejoindre, petit instant pub, sur lequel je suis curatrice et Cassas est leader, et voilà, elle m'avait déjà parlé de la porte, donc... Normalement, je devais juste guest, hein. Je devais juste être guest pour la vidéo sur Aqua. Mais au final, j'ai rejoint officiellement la chaîne. Donc voilà. Mais je regrette pas. Oh, c'est mignon. Vous êtes-vous déjà vu en vrai? Pour être tout à fait honnête, non. Les deux seuls qui se sont vus en vrai, c'est moi et Dark Ice. Et peut-être d'ici que la vidéo sorte, je vais rencontrer Cassas également. Du coup, il montrera plus que Canna. Je suis bien dans ma Bretagne toute seule. Ouais, pardon, madame la Bretonne. Mais sinon, on s'est tous déjà vus en facecam, en fait. On connaît tous nos têtes. Mais on s'était pas vus physiquement parlant. Prochaine question. Pourquoi la chaîne se nomme-t-elle La Porte du Paradis? Parce que techniquement, c'est le titre de l'opening 1 et je trouvais ça symbolique. Surtout que l'opening 1, même si c'est pas le préféré de tout le monde, c'est un symbolique. Moi, j'aimais bien et puis je trouvais que ça avait quand même la classe. Quand avez-vous découvert Narmen Melody Pitchy Pitchy Pitch? Quel est votre perso préféré et détesté et pourquoi? J'ai découvert Narmen Melody quand ça passait sur Canal J il y a très très longtemps. Et mon perso préféré, c'est Noël, hein, parce que c'est la best. Celui que je déteste, ou plutôt celle que je déteste, hein, c'est Capu, c'est encore le monde. Non, sur toi, monsieur. Parce que pas d'originalité. Et pourquoi? Parce que Noël, elle est... je trouve que c'est une personne qui me ressemble... Enfin, c'est un personnage qui me ressemble dans le caractère, dans le sens où elle est prête à sacrifier beaucoup pour les autres, et qui est hyper belle et intelligente. Ouais. Ça va, tu te lances des fleurs? Écoutez, je me kiffe, hein. Concernant, c'est quand même vachement original. Simple. J'étais en train de me balader sur YouTube dans les chiottes et j'avais ma vidéo en commentation, voilà. Et bon, tranquillement, c'était en été 2016, donc du coup, quasiment après tout le monde, quoi. Et
personnage préféré. Je dois vraiment y répondre. Bah oui, c'est Kaito. Non, ça se voit pas du tout avec l'énorme pépé de Mario. Et du coup, le personnage j'ai testé, bah, comme tout le monde, hein, la célèbre Mikaru. Et pourquoi, monsieur? Bah, en ce qui concerne Lucie, il y a plein de phrases à gauche à droite dans chaque vidéo. Et le personnage le plus détesté de Mikaru, là, c'est pareil. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi? Non, ça va aller, t'inquiète. En ce qui me concerne, j'ai découvert Pichi Pichi Peach, pareil, sur Canal J. Donc ça date. Je crois que j'étais en 6e ou en 5e à ce moment-là, je me souviens plus trop. Donc c'était la toute première diffusion française de l'animé. Voilà, donc je suis un vieux de la vieille, voilà. Alors mon personnage préféré, je ne sais toujours pas me décider entre Karen, Lucie et Rina, donc je ne vais pas choisir parce que c'est mes trois chouchoutes. Pourquoi ? Parce qu'il y a diverses raisons que j'ai déjà expliquées dans plusieurs vidéos, je ne vais pas revenir dessus, puis sinon je l'explique aussi sur Amino, j'en parle beaucoup. Et mon personnage détesté, j'ai bien envie de dire Mikaru comme tout le monde parce que la facilité, mais il y a d'autres personnages que moi je considère comme importants dans l'animé qui sont les fillers, et il y en a vraiment qui me sortent par les yeux de la tête, notamment la petite protégée de Madame Maki, là, de Madame Taki, pardon, Miss Kaneko, que je peux pas supporter, et qui, contrairement à Mikaru, ne sert strictement à rien. Voilà. Alors, quand est-ce que j'ai découvert ma mélodie? Bah, du coup, ça devait être la même année que Cassage, vu qu'on a 5 ans d'écart. Moi, j'ai découvert ça à mes 6 ans, donc j'étais petite encore. Regardez ça sur l'ordinateur, donc sur le site de Canal J. Et bah c'est comme ça, je surfais un peu pour regarder des dessins animés. Oh, des dessins animés avec des sirènes! C'est tout génial! Mon personnage préféré. Est-ce que j'ai vraiment aussi besoin d'expliquer qui est mon personnage préféré, lol? Non, c'est pas Kaito. Contre toute attente, c'est pas Kaito. Non, mon personnage préféré en plus. Toi, tu sais? Bah vas-y, je t'en prie, réponds à la question à ma place, ton qui est? C'est Rina! Ah, j'allais le dire. Mais tu sors d'où, madame, en fait? Bah, tu me l'as déjà dit il y a super longtemps sur Amino. Mais ça date! Il y a 2 ans peut-être! Donc, bon, comme Cassas a répondu, oui, c'est Rina, ma personnage préférée. Bah, je la trouve trop classe. J'aimais bien ce style un peu mature, un peu garçon manqué, entre guillemets, même si j'aime pas le terme, mais voilà, je la trouvais super classe quand j'étais petite, je voulais trop lui ressembler. Et j'adore sa chanson, Stars Duel, dans mon cœur, Peace of Love aussi, dans mon cœur. Et personnage détesté, attention contre toute attente, roulement de tambour, Sarah. Moi, je sais pas qu'un Voilà, je voulais casser l'ambiance. Et pourquoi j'aime pas Sarah? Bah pour 5 milliards de raisons, peut-être que j'aime pas Sarah. Comparé à Mikaru, je peux vraiment pas en pâtir avec cette dame. Bon, vraiment, je ne peux pas. Une dame qui manipule un enfant, non, je ne veux pas compartir avec une personne comme ça. La seule chose que j'aime chez Sarah, entre guillemets, même son gars je l'aime pas, c'est sa chanson. Ouais, j'avoue que sa chanson... La seule chose que j'aime, c'est... Elle est trop bien. Voilà. Ouais. Même si j'arrive pas à la chanter, punaise. Pourquoi ce simple shoujo parmi tous ceux qui existent a-t-il le plus retenu votre attention et vous a donc motivé à créer La Porte? Donc alors, pourquoi ce simple shoujo? Bah tout simplement bah, parce qu'au moment où j'ai regardé, c'était le seul shoujo que j'ai regardé, sachant que récemment j'ai regardé Tokyo Mew Mew... que j'apprécie bien, oui. Même si je trouve qu'il y a quelques défauts de narration quand même. Et pourquoi ça m'a motivé à créer La Porte? Bah parce que tout simplement, niveau vidéo francophone sur la série, c'est tout simplement le néant. Ouais, c'est vrai. Oui. Yes. C'est pour ça que j'en avais fait aussi sur ma chaîne perso au début, bah avant que la chaîne de La Porte du Paradis existe. Pourquoi avoir rejoint Mario? Parce qu'il nous a payé. Bien évidemment. On aime l'argent. Mais le dit. Il faut pas le dire, ça. Mais comment? Pourquoi j'ai rejoint Mario? Parce que j'ai bien aimé faire la vidéo sur Aqua avec eux. Du coup, voilà, je me suis dit, ce serait bien qu'on fasse un de ces jours une autre vidéo. Et après, t'as Dark Ace qui débarque comme ça. Il me fait, ouais, viens rejoindre la chaîne, s'il te plaît. Et ben, perso, pour ceux qui savent pas, du coup, j'ai une chaîne à moi. Donc, ça fait quelques années maintenant que je fais des petites vidéos sur YouTube.
j'avais déjà fait des vidéos sur Pitchy Pitchy Pitch. Bah en fait, c'est pareil, hein, j'ai été guest dans une vidéo pour la Porte du Paradis qui aujourd'hui n'existe plus, mais bon. Et après du coup, bah, comme vous le savez, on m'a proposé de rejoindre la chaîne. Et comme je faisais déjà des vidéos dans mon coin, que Pitchy Pitchy Pitch, c'est un de mes mangas, même de mes univers préférés, et c'est même l'univers qui est prédominant dans mon univers personnel, même encore aujourd'hui. Bah du coup c'est pour ça que j'ai accepté en fait. Bah moi j'ai accepté parce que du coup j'étais super fan et puis en plus quand Maru m'a proposé, bah je me suis dit ça peut être grave cool, surtout qu'en plus quand on est garçon, on veut représenter notre masculinité sur Mermaid Melody parce que il y a beaucoup de, enfin un gros fun fact, avant que je rencontre Mario sur un live d'une personne, d'une certaine personne. Bah, j'avais honte en fait d'aimer Mermaid Melody en étant garçon, je me faisais passer pour une meuf sur les en commentaire. Est-ce que c'est vrai que la saison 3, bah, pris pour qu'il y ait une adaptation de pure, de à quoi en animé, chose que je pense pas. On a même pas envie de parler de ça. C'est en fait, fun fact, parce qu'au moment où cette question a été posée, on savait même pas que à quoi elle existait. Donc c'était vraiment une question troll à la base. Mais c'était une question qui a prédit l'avenir finalement. Ouais, bah maintenant cette question a un goût amer. Quelles sont les choses que vous apportez Mermaid Melody Pitchy Pitchy Pitch dans votre vie? Alors moi ça m'a apporté mes premiers amis parce que quand j'étais en primaire du coup, en fait j'ai regardé Mermaid Melody à des recommandations de potes sur... Et genre ils m'ont dit, regarde, y a un manga, il est trop bien, des sirènes et tout, elles sont grave classe et tout. Et du coup on s'amusait dans la cour, jouer à Mermaid, faisait le rôle de Hnen. Qu'est-ce que ça... Bah ça m'a apporté beaucoup trop de chansons que depuis mes 6 ans je les connais encore toutes par cœur et du coup bah des fois c'est relou quand tu sais t'es dans ta douche et tout et tu commences à chanter ça et y a ta mère qui t'entend à côté, elle est en mode qu'est-ce qu'elle chante encore cette fille. Non, la vérité, bah, qu'est-ce que ça m'a apporté dans la vie? Bah, c'est comme ça que j'ai rencontré Cassas. Déjà, c'est comme ça que j'ai rencontré Cassas. J'ai rencontré, bah, du coup, oui. Mario, Daphne, Pinku, bah, du coup, tout le monde de Discord et tout. Et ma très chère sœur aussi, Alice. Raph, autrement appelé, bah, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens. Hein. Donc, finalement, c'est... Je pensais que ça me servait un peu à rien de connaître Mermaid Melody comme ça, parce que personne connaissait dans mon école et tout. Tu sais, je jouais tout au Winx. The Winx. Alors... Moi, qu'est-ce que m'a apporté Pitchy Pitchy Pitch? Beaucoup de choses en soi, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des univers qui est le plus présent dans mon imaginaire et même dans ma vie actuelle. Donc, c'est un des premiers mangas à m'avoir fait voyager, c'est un des premiers à m'avoir donné envie de me lancer davantage dans le dessin manga plus particulièrement. D'ailleurs, aujourd'hui, je dessine quasiment plus que du Pitchy Pitchy Pitch. bah grâce à ce manga, j'ai pu rencontrer un tas de personnes, notamment les trois Gugus qui sont ici avec moi, mais aussi tout un tas d'autres personnes que j'admire beaucoup, notamment Pinkuria, Alice, donc Raph pour les intimes, et tout un tas d'artistes autres que francophones d'ailleurs maintenant. Mais voilà, je suis très contente de connaître toutes ces mermaids, j'allais dire. attends. Donc je suis vraiment très contente de connaître toutes ces merveilleuses personnes. Et même si l'histoire est à chier parfois, bah c'est quand même mon enfance. Je voudrais rajouter que pour ma part, c'est ça un peu qui m'a aussi lancé à apprendre à chanter, parce que c'est ce qui me passionne aussi encore aujourd'hui. Bah ironiquement, beaucoup de choses en fait. Bah déjà, bah pour moi une chaîne YouTube, mais genre une vraie, pas comme la mienne, genre une vidéo tous les 6 mois, hein. On me fait souvent la remarque. Bah du coup, des gens très gentils, des amis très gentils, comme ceux à qui je parle actuellement. Alors, une question cruciale, Mario, quelle est ta princesse préférée? On se le demande. Alors, je pense que ma princesse préférée, c'est Taki. Non, sérieusement, bah, regarde ma pépé et t'as ta réponse. Qu'est-ce que vous auriez voulu voir en plus dans cet animé?
Oh, de la logique. Plus de plus que j'allais dire qu'à ça. Déjà, c'est moi qui réponds d'abord. Pardon. Oui, j'aurais voulu voir plus de logique. Moins de niaiserie, peut-être. Donc, des choses en moins. Lol. Et en plus, bah, des questions un peu plus réalistes, enfin, entre guillemets, écologie, genre, ça aurait été intéressant. Des questions sur la pollution, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, un peu plus, qui fasse réfléchir aussi les petits enfants sur la vérité de ce monde qui est triste et pollué, et les petits poissons, ils meurent tout le temps. Moi, j'aurais aimé aussi du budget d'ampure. Non, mais le pire, c'est que je suis vraiment sérieux. Budget d'animation, bonjour. Non, mais du budget de tout. On aurait voulu voir plus de Rio aussi. Plus de Rio. Plus de Subaru. Oh non, c'est Crystal qui veut voir plus de Rio. Donc moi, j'aurais voulu déjà voir une meilleure adaptation pure, comme l'a dit Darky. Et sinon, bah justement, vous connaissez mon avis sur certains fillers d'anime, bah justement, on en a pour moi trop vu, en fait. Donc techniquement, je veux rien voir de plus. Peut-être un peu plus de développement sur les deux couples de pure, mais sinon, pas grand-chose. Moi, en ce qui me concerne, ouais, c'est pareil, du coup, de la logique. On a fait assez de vidéos là-dessus, je pense, pour qu'on comprenne ma réponse. Et ouais, du développement sur bah, notamment les personnages qui sont quand même principaux, genre Coco, Noël, tout ça. J'aurais bien aimé avoir du développement aussi sur le monde marin, comment ça marche, les traditions des sirènes, la reconstruction du royaume de Serra, enfin voilà, des choses comme ça. Et une amélioration au niveau de pur, je pense que là-dessus on est tous d'accord. Question suivante. Votre couleur préférée, donc moi personnellement c'est le rouge. Moi c'est le rouge aussi et l'indigo. J'en ai deux, j'arrive pas à me choisir. Moi c'est le suspense violet. Et vu que je suis super originale, c'est le violet et le rouge. Votre livre préféré? Harry Potter. Et la coupe de feu. Moi perso, ce serait un livre d'Amélie Nothomb, qui est une autrice qui est pas mal connue. Ce serait Cosmétique de l'ennemi. C'est trop compliqué et long à expliquer, donc je vous invite juste à le lire en fait. Mon livre préféré, ce serait la série Tara Duncan. Oh, j'ai regardé ça quand ça passait sur M6 Kid. Pas le dessin animé. Pas le dessin animé. Bah moi mon livre préféré c'est Dragon Ball. Question suivante, quelle est votre religion? Bah, moi perso je suis pas croyante en une religion spécifique, mais je suis pas athée non plus, parce que athée ça signifie qu'on croit en rien. Et j'ai un mot pour décrire ce que je suis, mais je m'en souviens plus parce qu'il est trop compliqué. Je suis persuadée qu'il y a des phénomènes qui existent, qui sont inexpliqués, des phénomènes paranormaux, tout ça j'y crois. Et je suis aussi persuadée qu'il y a des forces qui sont au-dessus de nous, qu'on ne peut pas atteindre et dont on n'a pas conscience. Mais un peu ce qu'on appelle Dieu. Mais moi personnellement, je pense que toutes les religions, c'est juste des noms et des histoires qu'on a posées sur ces forces. Ma religion, je dirais, je suis pas totalement athée, mais je suis pas totalement chrétienne. Je suis dans un entremilieu un peu bizarre, donc je saurais pas vraiment définir ce que je suis. Alors moi, c'était compliqué parce que je suis athée, mais je m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup au bouddhisme et j'envisage d'en faire ma religion dans un avenir proche. Et moi, personnellement, vu que j'ai pris que le site IDS, je suis aquaïs. Non, c'est faux. Non, réellement, je suis chrétien. Allez, de nouveau, une question un petit peu troll. Cassas, pourquoi tu n'apparais pas dans l'épisode Les bougies de l'amour? Dis-nous tout. Pardon. Donc, je sais pourquoi cette question a été posée. Parce que il se trouve que sur Discord on parle beaucoup, sur Amino aussi, mais sur Discord surtout. Et il se pourrait que j'ai déjà lâché l'information, qui est la suivante, que je suis fan de bougies. Pour vous dire, dans ma chambre j'ai tellement de bougies que je pourrais pas les compter, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les senteurs, de toutes, enfin voilà.
Si je peux, je mettrai des photos au montage. Je sais pas si j'en aurais pris entre temps. Donc voilà, je sais pourquoi cette question a été posée. J'aurais adoré être dans un épisode de Pitch 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 tout court. Encore plus celui-là, évidemment. Mais non, je n'y suis pas. À mon plus grand regret. Ils ont pas eu assez de budget pour toi tellement que t'es famous. Vous aimez les bougies? Concernant les bougies, c'est un truc que. Enfin, j'y porte pas trop d'intérêt, quoi, genre. Mais voilà, j'ai un avis ni chaud ni froid. Moi, je kiffe les bougies, elles apportent une app. En tout cas, moi, je pense que les bougies, elles apaisent l'âme, et en plus, c'est trop satisfying de les voir couler lentement. Les bougies, j'aime bien, mais sans plus. Voilà, j'aime bien quand il y en a, ça sent bon, et voilà, mais sans plus. Je suis pas cassasse, quoi. Oui, bon, du coup, je crois que je vais pas répondre à cette question, hein, tout le monde a compris. Bah, tu détestes ça. Question suivante. Oh, Mario ! Donne-nous 5 défauts de Lucie ! Déjà, je sais très bien qui a posé cette question. Je te l'aime bien, voilà, mais non, c'est horrible ce que tu m'as fait. Et en fait, je ne sais clairement pas si je peux réellement répondre à cette question, en fait. Mario, fais un petit effort, trois défauts. Tu peux répondre à ta place, il y en a beaucoup des défauts. Alors, 5 défauts, tu dis, oula. C'est une blondasse. Donc déjà, on va pas répondre des questions trolls, genre elle n'existe pas, genre non, on va quand même essayer d'être sérieux. Peut-être son espèce de crise de jalousie vers la fin de la saison 1 que j'ai pas trop apprécié. Genre c'est peut-être la première fois que je vais aller ici dans un épisode, ça me souvient un peu. Et sinon, est-ce qu'il y a un autre défaut? Non, j'en trouve pas d'autres, c'est... Si tu veux, on peut t'aider. J'ai pu mentir. Bon, question suivante, du coup. Et ça tombe bien, parce que c'est une question pour moi. Karen est-elle vraiment parfaite? Alors, non. D'ailleurs, j'ai jamais prétendu qu'elle était parfaite. Et c'est justement pour ça que je l'aime. Elle est originale, c'est la seule à pas suivre à quoi obéiment comme une bonne toutou. Oui. Je suis tellement tsundere. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout une tsundere. De toute façon, j'aurai l'occasion d'en parler en vidéo. Bref, enchaînons. Alors, une autre question, mais cette fois-ci elle est pour moi. Pourquoi aimes-tu Kaito? Parce qu'il est sexy? Bien sûr que oui. Non mais vous pensiez quoi? Non, mais pas que pour ça. Principalement oui, bon, il est beau. Mais si j'ai choisi d'abord sur la Mino, c'est parce que... parce que de base, j'ai choisi Kaito parce que c'était le seul personnage sur la Mino masculin que j'aimais bien, plus ou moins, et que personne d'autre avait pris de personnage masculin. Du coup, je me suis dit, je vais être original, allez. Il est mignon, il est gentil, c'est pas marque, quoi. Hein. Il a du caractère, au moins, vous voyez. C'est un surfeur, ça, j'avais jamais vu encore de mec surfeur dans un manga, de ce que j'ai pu lire. Il est bien développé aussi, hein, pour un love interest, hein. Il y en a plein qui sont pas développés. Marc. Voilà. Bon, Darky donne 3 défauts sur Noël. Alors, les 3 défauts de Noël, c'est... Elle se sacrifie beaucoup, ce qui est une chose bien, mais elle aurait peut-être tendance à trop s'oublier. Donc ça peut être un défaut dans ce sens-là. Elle n'est pas assez développée, et les épisodes vacances de pure. Non mais sérieux, la meuf, elle a été draguée Nagitash, quoi. Nagitash. Souhaitez-vous régner sur YouTube? On va même conquérir le monde. Mais bien évidemment que oui. Pour la YouTube money. Franchement, je me permets d'intervenir, mais en ce qui concerne la communauté française, considère qu'on a effectivement régné sur le Mermaid Game. Ouais, vite fait. Question suivante. Êtes-vous égaux entre vous ou Mario doit vérifier le moindre détail avant publication, genre comme un patron? Alors. J'ai l'air vachement sadique. Du coup, je me permets de répondre un petit peu pour tout le monde et puis si vous voulez apporter des complémentarités, puisque c'est moi qui fais les montages.
Non, Mario, il vérifie pas spécialement toutes les vidéos qu'on publie. Il y en a même certaines, il est pas au courant qu'on les tourne. On lui dit juste, Mario, on a prévu tel truc avec telle personne. Donc voilà, c'est tout. En fait, on se tient informé du calendrier, mais on tourne pas forcément tous ensemble. Des fois, Darkai, il tourne tout seul dans son coin. Moi aussi, Mario aussi. Des fois, c'est moi qui enregistre les autres, mais j'interviens pas forcément. Et enfin bref, voilà, on s'organise un petit peu... Bah, comme on peut. Et non, Mario, il contrôle pas forcément tout ce qu'on fait, parce que même si c'est le créateur de la chaîne et que ça reste quand même le big boss, et ben on est tous au même niveau. Donc quand on fait une vidéo, généralement on la programme, comme ça elle est accessible pour nous en privé, donc on peut tous la regarder et donner notre avis. Mais sinon, non, c'est pas spécialement Mario qui va vérifier. Fun fact, toutes les vidéos que j'ai fait avec Kassa, c'est la vidéo que je prévois peut-être de faire en solo LOL. Mario, il est pas au courant, hein. Moi, je lui dis pas les thèmes. Voilà. Il y a un truc, en fait, vous voyez, ça s'appelle la confiance. Waouh, c'est vrai. C'est magique, ce truc. Je connais, genre, il y a un moment de ma vie où je connaissais pas beaucoup ce truc, mais maintenant que je connais ça, je trouve que ça a l'air plutôt cool dans l'ensemble. Ah. Par contre, dès qu'on connaît Mario, si c'est un truc sur Lucie, il va vérifier, vous inquiétez pas. Bah justement, en fait, ça c'est un délire, mais techniquement j'ai pas mon mot à dire, parce que si j'ai mon mot à dire, il suffit que Kassa se mette une mignade avec une petite dent, je vais faire ma gueule directement, en fait. Il suffit c'est que je fasse mon stick mignon pour qu'il se la ferme, Lucie, dans les miniatures. Prochaine question. Est-ce que vous avez pour idée de faire du RPG autour de la Porte du Paradis? Pensez-vous développer du merchandising, goodies, stamps, porte-clés, etc. autour de la Porte du Paradis? Alors, je pense que mon avis suffira amplement pour tout le monde. La réponse est non. Surtout que bon, raison, on n'a pas les droits de la licence. Bah ouais. Déjà oui. Et moi, je me permettrais juste de rajouter à cette question, vendre, non. Mais offrir des créations autour de la Porte du Paradis ou qu'on aurait fait nous autour de l'animé, oui, je n'en dis pas plus. Question suivante. Avez-vous des OC Mermaid Melody, si oui lesquels? Personnellement, j'en ai pas parce que je sais pas dessiner, j'ai jamais appris à dessiner et faudrait que je m'y mette peut-être. Moi, oui, j'en ai une qui s'appelle Lina. Après, je sais pas son nom de famille, je vais changer sûrement. Elle a la perle grenadine, oui, c'est précis. Et son royaume, c'est le fleuve Sénégal. Alors, j'en ai certaines, donc j'ai pas toutes trouvé les noms, mais la principale, entre guillemets, c'est Naya. Bon, Kassa va sûrement vous montrer l'image que Pinku a fait d'elle. Et elle s'appelle Naya Minami. Sa perle, c'est la perle pourpre. Et elle, c'est pas vraiment une princesse, c'est compliqué. Mais elle a les pouvoirs plus ou moins des princesses sirènes. Voilà. Une autre, j'en ai fait trois qui remplacent successivement Lucie, Anon, Rina, qui sont donc des princesses qui représentent un peu plus culturellement, entre guillemets, leurs royaumes respectifs. Et je leur ai pas tout trouvé des prénoms encore, mais quand je le ferai, peut-être que ma gentille Cassas va les mettre en montage. Oui. Oui. Donc voilà, c'est tout pour moi. En ce qui me concerne, je pense sans prétention être la personne dans cette vidéo à avoir le plus d'OC Mermaid Melody, parce que j'ai non seulement des princesses sirènes, mais aussi d'autres OC de type démons et autres, donc des humains, des démons, voilà. Donc j'ai toute une fanfiction sur Mermaid Melody, donc forcément il a fallu créer. Vous savez quoi, je vais pas m'embêter à toutes les citer, je vais vous mettre en montage des images avec leur nom, leur prénom et les infos de base. Et puis si vous voulez en savoir plus, et je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube parce que j'en parle. Voilà. Et sur la Mino. Et sur la Mino, effectivement.